Madame Laurence Van Sonnebrock-Mialon. Merci Madame la Présidente, Mesdames les Ministres. Grâce à ce texte, de nombreuses familles vont bientôt pouvoir réaliser leur projet parental dans notre pays et également faire reconnaître à leur famille une filiation établie pour chacun des parents. Peu importe le mode de conception, les liens de filiation devront toujours emporter les mêmes effets, des droits et des devoirs au sein d'une famille, quelle qu'elle soit. Durant l'examen de ce texte, mon seul objectif sera de m'attacher à l'intérêt supérieur des enfants, de tous les enfants. Ceux qui vont naître, ceux qui sont déjà nés avant la loi du mariage pour tous, par exemple, ceux conçus par PMA en France ou à l'étranger, les enfants nés de familles hétéroparentales, homoparentales ou monoparentales, sans aucune distinction. Aussi, j'aimerais connaître le dispositif qui sera proposé par le gouvernement pour remédier à l'absence de double filiation des enfants nés avant cette future loi. Merci.